Bonsoir à tous, il est 18h pile et en ce jeudi soir, c'est parti pour le débrief de l'actualité high-tech de la semaine. C'est 01 Live Hebdo, merci d'être là. Jérôme, bonsoir. Salut François, bonsoir à tous et ce soir, devinez de quoi nous allons parler. On aurait pu parler cyclisme, Jeux Olympiques, de drones, oui. Voilà. Mmh. On s'est dit non. Tiens, si on parlait de l'iPhone, c'est pas con. Et oui, d'autant que depuis mardi soir dernier, ça y est, c'est officiel, on connaît les nouveaux iPhones, Jérôme. Alors on va y revenir ce soir parce que bien sûr, même si vous étiez des millions à suivre le live consacré à la keynote. Des dizaines de millions, on peut le dire. On peut le dire, ouais. On exagère un peu. Il y a encore des questions qui se posent, on se pose encore un certain nombre de questions. Donc ce soir, nous allons avoir tout d'abord le retour un petit peu d'expérience de Pierre Fontaine qui a eu la chance d'essayer les nouveaux iPhones et il va nous appeler dans un instant de San Francisco. Voilà, il était à l'Apple Park, il a touché les nouveaux iPhones et il va nous dire ce qu'il a ressenti, mesdames, messieurs. Ce sera dans un instant. Et puis Raphaël Grably et Jean-Sébastien Zanqui seront avec nous aussi pour à la fois débriefer la keynote et puis nous rentrer un petit peu dans les détails des spécificités techniques de ces nouveaux téléphones qui sont très attendus, bien évidemment. Voilà, et puis la question qu'on se pose tous, est-ce qu'ils n'auraient pas poussé un peu le bouchon un peu loin chez Apple avec ce prix absolument astronomique, stratosphérique? Vous le savez, l'iPhone peut coûter jusqu'à 1 300 €. Ce sera un peu le fil directeur de notre soirée. Voilà, soyez les bienvenus. Le hashtag 01Live sur Twitter si vous voulez réagir ou via le live et le chat YouTube. C'est parti pour ce 01Live Hebdo. François, oui. Puisque ton PC a décidé tout d'un coup de faire sa mise à jour indispensable, tu ne peux pas travailler. Alors c'est pas que je ne peux pas travailler, disons que je suis obligé de lorgner sur ton écran. Non, parce que pour tout vous dire, voilà où j'en suis. Alors voilà, vous savez quoi, oui. Il faut tout balancer, puisqu'on balance tout. Voilà, je suis donc avec mon petit PC que j'adore, et je suis en pleine mise à jour, et je suis à 30%. Oui, parce que Windows a décidé que le jeudi à 18h, c'était la meilleure heure. C'était le bon moment. C'était la meilleure heure pour faire une mise à jour, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est la vie, on n'y peut rien. Mais bon, là, il est en train de redémarrer. Peut-être que dans quelques instants, je pourrai vous retrouver, et ça devrait marcher. Bon, donc, Jérôme. On va commencer par la question 01net orange du jour, comme chaque jeudi soir, notre petit sondage. Question orange, l'iPhone 10 devrait donc coûter jusqu'à 1 329 €. Selon vous, est-ce justifié ou scandaleux? On a déjà une tendance. Scandaleux à 71%. J'adore ce sondage. Bravo Noémie. C'est que le début, très les bonne amis. Question. Que le début. C'est que le début. Voilà. Ouais, mais on va essayer de décrypter tout ça éventuellement de tempérer. Ouais, vous allez voir. Mais oui, 1 329 €, bien sûr que c'est cher. Ouais. Bon. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer aussi qu'avec toute la technologie qu'il intègre, ce téléphone a un prix très cher, est-ce que très ça élevé. Pas justifié. On va en parler tout à l'heure. Alors, si vous étiez au fond d'une grotte mardi soir, oui. Eh bien, sans vous réseau, avez wifi, sans rien. Peut-être raté cet événement incontournable. Regardez. But we're not stopping there. Voilà donc Tim Cook we sur scène. One more thing. Et qui arrive avec son One More Thing, les amis. Il l'a fait. Avec un bel hommage à Steve Jobs. Hein. C'est là qu'on a découvert le nouvel iPhone 10. Alors bon, c'était un secret polichinal, hein, puisque depuis des semaines et des semaines, tout circulait plus ou moins sur le web, hein, Jérôme. C'est vrai, on avait mais là, on avait quand même la confirmation. Ce qui fait que du coup, il y a eu moins de déceptions. Oui, puisqu'on savait tout à l'avance. Oui. Voilà l'iPhone 10 qui va nous occuper donc pendant une bonne demi-heure. Alors, on va tout de suite se rendre. Donc, Pierre Fontaine, l'envoyé spécial de 01net, était sur place au Steve Jobs Theater ce soir-là. Et il est toujours à San Francisco, en fait. Il ne veut pas rentrer, Pierre. Pierre, est-ce que tu es Salut, avec Pierre. Nous Je suis avec vous, mais je suis à San José. C'est pas San Francisco. Ah, pardon. C'est San Francisco, mais sans habitants, alors qu'il y en a plus. ça donne un peu l'impression d'être un mouroir en fait. Mais c'est bien. Hein. Je confirme. C'est plus au fond de la Silicon Valley. Non, mais c'est bien, hein. C'est bien. Il y a beaucoup de retraités, c'est cool, c'est sympa, on mange bien, hein, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Voilà. Bon. Et on a des annonces Apple pour nous occuper. Et voilà. Alors 2-3 annonces Apple. Il faut quand même que tu rentres. Hein. Jérôme a raison. On t'attend ici à la rédaction de 01net, tu sais. J'ai un avion dans quelques heures. Parfait. Bon, mais c'est sympa d'être avec nous maintenant, ce soir alors. Enfin, c'est le matin pour toi.
Oui, tout le monde le met encore. Ouais. Donc Pierre, tu as pu manipuler ces fameux iPhones. Alors voilà la question incontournable qu'on te pose. Qu'en penses-tu? Quelle est ta première impression? La première impression, j'allais dire, c'est l'impression de toucher un iPhone. Donc elle est, après, si on n'aime pas les iPhones, on n'appréciera pas. Moi, je suis plutôt utilisateur d'iPhone, donc j'ai apprécié. Effectivement, le facteur de forme reste, c'est-à-dire l'aspect extérieur et donc la prise en main reste très très proche de ce qu'on connaît jusqu'à présent, enfin ce qu'on connaît depuis l'iPhone 6. Hein. On n'a pas un gros changement de design, en tout cas dans la forme globale. Donc c'est plutôt confortable. En revanche, effectivement, alors évidemment à l'arrière, on a l'apparition du verre qui permet le rechargement avec la technologie Qi. Et en façade, on voit bien qu'on a le Touch ID qui disparaît. Et forcément, ça va avoir toute une suite d'implications dans l'usage. Mais au global, je trouve que même s'il faudra se faire à certaines nouvelles gestuelles, à certaines nouvelles façons de par exemple d'invoquer Siri, de changer une application, de la fermer. Oui, parce que toute la gestuelle va changer en fait. Oui, puisqu'il n'y a plus de bouton home, ça change tout. On n'a plus de bouton, enfin le bouton home qui est là depuis le premier iPhone, celui qui a été présenté en janvier 2007. Il est jusqu'à présent, il était là, qu'il soit mécanique ou haptique, on pouvait l'utiliser. Sa disparition complète fait que il y a beaucoup de façons d'utiliser, enfin beaucoup de raccourcis qu'on avait l'habitude d'utiliser, par exemple le double tap rapide pour passer en multitâche. Maintenant il faut effectivement faire une autre manipulation en glissant les doigts, en mettant la pression. Enfin, c'est des repères à reprendre. Alors évidemment, je ne l'ai pas utilisé suffisamment longtemps pour savoir si ce sera facile de prendre ces nouveaux repères, mais voilà, il y a quand même un changement ergonomique qui a un impact. Pierre, juste un mot sur les coulisses en fait de la prise en main de ce produit, c'est-à-dire qu'après après la keynote donc de Tim Cook et de tous ses lieutenants, tu es passé dans une pièce où là tu pouvais manipuler les produits. Pendant ouais. Combien de temps tu as pu les manipuler à la fois les iPhone 8 mais aussi l'iPhone 10? Je sais pas, c'était, je dirais, en chaque appareil environ une quinzaine de minutes. Si c'était, il y avait une cohue mais monstrueuse. Hein. Voilà, c'est ça, c'est que tout le monde est derrière toi en disant voilà bon t'as fini, allez vas-y passe-le moi, je veux le prendre en main, etc. Donc c'est pas facile aussi de manipuler tranquillement le produit, de pouvoir tester toutes ces fonctionnalités, notamment le Face ID. Non, alors le Face ID c'est qui est donc effectivement la grosse nouveauté de l'iPhone 10. Qui est réservé à l'iPhone 10. J'ai pu l'utiliser en dernière minute parce que quasiment plus personne, j'ai tellement traîné qu'il n'y a quasiment plus personne. Et un des démonstrateurs a bien voulu initialiser son téléphone, donc supprimer son identification à lui, pour que je l'essaye. Et ce qui est vraiment surprenant, c'est que la configuration du Face ID se fait en, je dirais, à peu près 10 secondes, hein. J'ai pas lancé un chronomètre, mais c'est à peu près ça. On met le téléphone devant soi, on tourne la tête en faisant un cercle avec le bout du nez, grosso modo, pour qu'il prenne vraiment tout le relief du visage avec la caméra avant qui a des capteurs de profondeur de champ, une caméra infrarouge, etc., etc. Et une fois qu'on a mappé son visage une première fois, ce qui prend à peu près 3-4 secondes, on le remappe une deuxième fois. Et là, il dit, OK, c'est validé, on n'a plus qu'à choisir à quoi servira ce mappage, est-ce que ça servira à payer les achats sur l'App Store, est-ce que ça servira à déverrouiller l'iPhone, etc. etc. Et ça marche vraiment, vraiment très bien. Tiens, petite question, Pierre, est-ce qu'on sait ce qui va être fait de ces images? Est-ce que ces images remontent chez Apple ou est-ce qu'elles restent dans le téléphone? Apple va les publier sur des... Non, c'est oui, on sait, ils l'ont expliqué pendant la keynote et ils sont revenus dessus d'ailleurs après. En fait, c'est comme pour Touch ID et les empreintes digitales, elles sont conservées dans la secure enclave du processeur, donc c'était la partie sécurisée du processeur auquel même Apple ne peut pas accéder en lecture après, en lecture-écriture pour des modifications. Il y a tout un système de... Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques des systèmes de clés master, mais voilà, c'est vraiment très sécurisé. Et donc, ces données sont conservées sur le téléphone et ne sont jamais remontés à des serveurs Apple. En tout cas, c'est ce qui est certifié, on a tendance à les croire, parce que c'est un tel enjeu qu'on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi là. Oui, bien sûr. D'accord. Alors, bon, ça c'est pour l'iPhone 10, hein, qui est la star un peu de cette soirée. Ouais, hein. Ouais. Juste un mot sur la photo, tu as pu voir un petit peu ce que ça donnait? Il n'y a pas de changement majeur en fait.
Il y a le mode selfie. Effectivement, les données pourraient être plus grandes, plus réactives. Dans un temps si court, c'est très difficile de vraiment juger de ça. En revanche, ce qui a été possible de juger, c'est le mode portrait lightning. Donc qui est encore en bêta et qui est là pour enrichir, en fait, prolonger le mode portrait qui avait été lancé l'année dernière. Et qui est franchement assez bluffant. En fait, on a différents réglages, on prend la photo comme ça, et ensuite, alors soit à la volée avant de prendre la photo, soit une fois que la photo a été prise, on peut changer des réglages en glissant une molette pour avoir un éclairage studio, pour avoir un éclairage qu'ils appellent scène, c'est-à-dire que tout l'arrière-plan est noir et le visage est mis en valeur par des lumières, enfin voilà, et tout ça se fait en temps réel. Et donc c'est ça, pour le coup, c'est vraiment impressionnant. Et de ce que j'ai vu et ce que j'ai pu faire, même si j'ai pas pu conserver les clichés réalisés, ouais, ça marche très très bien. Ouais. On a pas mal de questions concernant le nombre de visages qu'on peut numériser avec l'iPhone 10, Pierre. Un seul, c'est sûr. Ouais. D'accord. Un seul, ça dénote par rapport au Touch ID, où là on pouvait mettre jusqu'à, je crois, 10 doigts. Mais on n'a qu'une tête, hein, François. Non, mais d'accord, mais ça permettait, par exemple, mettre une autre personne, Déverrouiller le téléphone. C'est-à-dire que l'autre personne qui voudra déverrouiller le téléphone sera obligée de rentrer un code à 6 chiffres ou à 8 chiffres. C'est ça, oui, effectivement. J'ai posé la question en disant, voilà, parfois c'est bien de pouvoir déverrouiller le téléphone, ne serait-ce que parce que, je sais pas, on a besoin d'accéder à les données ou à bref. Ouais, bien sûr. Et donc, non, qu'un seul visage, effectivement, il faut saisir un code. Et sachant que, d'ailleurs, c'est arrivé à Craig Federighi pendant la conférence, hein, quand il a fait y arriver et qu'il a voulu déverrouiller le smartphone au départ, au début de la démo, ça n'a pas marché parce que d'autres personnes avaient regardé le téléphone avant. Donc Face ID avait essayé de les identifier, ne les avait pas reconnus comme étant Craig Federighi. Et donc, quand il a voulu s'identifier, il a fallu qu'il d'abord saisisse son mot de passe, enfin son code, pour pouvoir réactiver la sécurité, remettre la sécurité à zéro. Ah oui, d'accord. Donc effectivement, s'il y a des personnes qui jouent avec votre téléphone, ils sont obligés de taper le code. Voilà. Mais il n'y a qu'un seul visage qui est reconnu. Pierre, aussi une autre petite question. Est-ce que cet iPhone 10 a le 3D Touch, cette fonctionnalité dont personne ne se sert à peu près, mais qui est révolutionnaire. Je suis pas complètement d'accord avec vous. Moi, j'utilise beaucoup le 3D Touch. Mais François Sorel est très mauvaise langue avec ça. Non, mais bon, ça va, il n'y a pas que des trucs bien chez Apple. Attendez, les gars, enfin, voilà, quoi. Attends, laisse parler le monsieur de San José. Je pense que ceux qui ne l'utilisent pas vont devoir s'y mettre, parce qu'effectivement, j'ai l'impression que le 3D Touch, avec la disparition du home button, prend une certaine importance, plus d'importance encore. Donc je pense qu'il va falloir vraiment que François s'y mette. Bon, voilà. On va s'y mettre, alors. Ok, parfait. Ça, c'est pour le 10. Un mot sur le 8. Un petit mot très rapide sur le 8. Ton ressenti quand tu l'as pris en main? Le bel iPhone 7. Effectivement, là pour le coup, on a exactement le même design, à part la plaque en verre à l'arrière pour le chargement sans fil. Pour le reste, bon, c'est quasiment le même téléphone. À l'intérieur, on sait qu'on a une puce, on a la même puce, la 11 Bionic, que dans l'iPhone 10. Mais quand on le prend en main comme ça quelques minutes, ça saute pas aux yeux. En revanche, là où on a des bons espoirs d'avoir une puce vraiment puissante, c'est quand j'ai essayé avec quelques applications de réalité augmentée. Et c'est impressionnant quand même. Ça marche très très bien. Donc l'iPhone 8 et alors l'iPhone 8 Plus encore plus sont des iPhone 10 qui n'ont pas eu droit à un écran OLED bord à bord. Mmh. Oui, c'est-à-dire que le design de cet iPhone commence à accuser un peu son âge. Ce design qui n'a pas été revu depuis un certain temps, ces bordures tout autour de l'écran, ouais, c'est vrai que ça, on commence à s'enlacer un petit peu. Ouais. Ouais. Pierre Fontaine, merci beaucoup. Merci Pierre. Merci beaucoup pour ce ressenti, juste quelques jours à peine après la présentation du nouvel iPhone 10. Là, vous avez pu voir ces images, hein, c'est des images quasi exclusives, parce que bon, évidemment, sur Internet, on trouve beaucoup d'images officielles d'Apple, mais là, c'était les images de Pierre Fontaine qui a vu ces téléphones. Et on voit on a bien vu justement la gestuelle, etc. Ouais, on les voit là, hein, d'ailleurs, hein, actuellement. Bon, messieurs, Jean-Sébastien Zanqui, Raphaël Grabli. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'être là. Nos smartphone men.
Alors vous êtes comme nous, vous avez suivi cette keynote. On n'a pas eu la chance encore de toucher ces téléphones. Pas encore. Oui, non. On l'a presque en fait, hein, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Le titre, on l'a presque. Ah, yeah. En attrapant le Galaxy Note 8. Oh. Ça, c'est pas beau. C'est vrai que c'est un beau téléphone. Enfin, c'est, non, alors, mais... c'est pas beau. Je disais que c'est pas beau de faire ça, mais c'est un très beau téléphone, le Galaxy Note 8. Il est superbe. Il est impressionnant. Il sort demain. Il sort demain, oui. Il sort demain, ouais. Mais alors bon, évidemment, il est un peu occulté par... par le on va dire le bruit de fond de l'iPhone, oui, on va en reparler de façon par la suite, évidemment, c'est un peu le concurrent direct, oui, hein, parce que en tout cas c'est la même gamme de prix là, ils sont tous les deux au-dessus de 1 000 euros, ouais, enfin au-dessus de 1 000 euros, l'autre il c'est quand même 1159 entre 1000 et 1159, il y a quand même 159 euros, c'est pas mal, ouais, mais on est déjà au-dessus de 1000, oui, donc, oui, non, mais c'est quand même significativement au-dessus, bien sûr. Et en fait non, mais le prix de l'iPhone 10 pour moi alors justifié ou pas justifié, pas justifié, pas forcément, parce que on parle de Note 8, mais en vrai, l'écran bord à bord 5,8 pouces, on l'a sur le S8, et le S8, il n'est pas à 1 000 euros, il est à 800 euros. Donc, justifié, oui et non. Le S8 Plus était à 900. Hein. Oui, mais finalement, c'est presque le format du S8. On peut le comparer, oui, au S8, en fait. Il est à 6,1 pouces, c'est il ça est, non, il est à 5,8, mais oui. Comme, le, oui, comme c'est l'iPhone 10, en fait. Avec, donc, on peut S8 le comparer au S8, qui est quand même, du coup... Que le Note 8, en tout cas. Voilà. Non, mais le S8 Plus, parce qu'il y a deux S8. Il y a le S8 normal et le S8 Plus. Mais ce que je veux dire, c'est que si 1159 euros, la seule justification de ce prix, c'est un écran OLED bord à bord. Non, mais c'est pas la... On l'a chez Samsung. C'est pas ce que je pense, mais tout cas, on a chez Samsung la même chose pour 350 euros. Et pour moi, effectivement, je suis d'accord, c'est évidemment pas la seule justification. Ouais. Il y a Face ID. À propos d'écran, on a des petites remarques sur Twitter qui sont justifiées à propos de cette barre noire en haut là, hein, les capteurs. Oui. Alors, là, moi, je trouve ça un peu bizarre esthétiquement. Après, c'était sûr qu'il fallait. Il fallait bien les caser. Il fallait caler quelque part. Après, la solution, c'était soit de faire une sorte de bande comme sur le S8, une sorte de bande un petit peu fine, soit en haut, tourner autour, tourner autour, et parce que sur Samsung, sur le Galaxy Note 8, il y a, alors délibérément, il y a une petite barre petite... en haut et en bas, du coup, parce que sinon ça ferait bizarre. Moi personnellement, ça me dérange pas du tout, cette barre noire. Je trouve ça même plutôt élégant, je trouve que c'est harmonieux par rapport au design. Je pense qu'à terme ils tenteront de la faire disparaître en faisant passer les capteurs carrément sous l'écran, littéralement. Moi, c'est pas ce qui me dérange. On aurait aimé que ce soit le cas. Mais par contre, la vraie nouveauté pour moi d'Apple, c'est pas matériel, c'est ce qui est induit en matière de logiciel, c'est-à-dire la disparition du bouton principal. Et ça, ce que Samsung n'a pas forcément fait, et ce qu'ils peuvent pas faire, parce qu'ils n'ont pas la main sur l'écosystème Android, et c'est ce qu'Apple peut faire, il n'y a que Apple qui peut faire ça, c'est-à-dire enlever le bouton principal et profondément modifier iOS. Et pour moi, cette nouvelle gestuelle là, c'est assez révolutionnaire. Ça me plaît pas, ce geste là d'aller chercher le centre de contrôle en haut à droite. Pourquoi? Parce que c'est quand même plus pratique quand on tient le téléphone avec le téléphone, on le met dans le creux de la main. Oui. Aujourd'hui, moi, j'allume mes lumières à la maison juste comme ça avec une seule main. Oui, alors après, il y a des choix. Il va falloir le manipuler à deux mains. Il va falloir manipuler à deux mains. Il n'y a que toi qui allumes les lumières avec ton téléphone. Non, nous sommes déjà des millions. Rejoignez-nous. Voilà. Des fois, il m'appelle, il dit, oh là, ça marche pas encore, j'en ai marre. Et dans le noir. Il y a sa femme qui dit, ça suffit, débranche tout. Enfin bref, c'est vrai que parfois, c'est limite quand même. Tragédie. Si on jetait un petit coup d'œil sur le sondage, non, pour voir ce que ça donne. Bah oui, quand même. Notre question 01net orange de ce soir, question existentielle, jusqu'à 1329 euros pour l'iPhone X, selon vous, c'est justifié ou scandaleux? Ah, ça a grimpé, c'est encore plus de scandaleux, 75% de scandaleux, ouais, évidemment. Alors, Jean-Sébastien... Vous savez que le scandaleux rime avec délicieux, quand même. Hein. Enfin, moi, je dis ça, mais parfois, on fait des trucs scandaleux et on est content de faire des trucs scandaleux. Et il y en a peut-être aussi qui se disent, bon, c'est scandaleux, mais allez, prenez ma carte bleue. Rime avec ruiné. Oui, rime avec ruiné. Jean-Sébastien, c'est scandaleux? Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on s'étonne encore qu'Apple soit cher en 2017. Enfin, voilà, chaque nouvel iPhone, on fait oh là là, qu'est-ce qu'il est cher. Alors, et tous les ans, c'est pareil. Sur 01net, vous avez publié un petit graphique qui est intéressant, où on voit l'évolution du prix de l'iPhone standard au fil des années depuis 2007. Et là, il y a quand même un décrochage énorme avec l'iPhone 10. Alors après, c'est sûr et certain qu'il y a des technologies dans cet iPhone qui, quand on voit comment est fait le capteur TrueDepth, qui a à l'intérieur, je crois, 8 capteurs en tout, quand on voit le sourcing auprès des fournisseurs, comment ça a été construit par Apple, c'est quand même quelque chose qui, je pense, en recherche et développement et en fabrication, coûte très cher. Après, évidemment que cet iPhone est beaucoup trop cher. Apple a des marges de 40%, c'est des marges qui se pratiquent dans le monde du luxe. 40%. C'est
pas des marges. Oui, c'est pas des marges qui se pratiquent pas, hein. Ça, ils ne toucheront pas dans la téléphonie. J'ai entendu 30%, mais bon. Non, ils sont à 38 quelques. Ça varie d'une année à l'autre. C'est des choses tout à fait officielles dans le rapport financier d'Apple. Et voilà, donc on sait très bien qu'Apple est très cher. Donc ça, c'est sûr que là-dessus, c'est. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que c'est peut-être pas. Enfin, c'est sûr, c'est parce qu'il y a ces iPhones très haut de gamme, très chers, que Apple a pu également baisser les prix sur certains modèles d'entrée de gamme. Et aujourd'hui, ça démarre à quoi, 400 euros? 420 euros le SE. iPhone SE est à 420 euros. C'est grâce à ces modèles hyper chers que les gens vont C'est intéressant acheter. Parce que la gamme d'Apple, elle n'a jamais été aussi large en fait. Exactement. Le dernier est à 1329 et le premier est à 420 euros. Un iPhone à 420 euros, ça s'est jamais vu dans la gamme d'Apple depuis le début en fait. Donc plus il y a un iPhone cher et plus il y aura un iPhone moins cher qui va l'accompagner. Je suis d'accord, mais c'est un iPhone à 420 euros qui a un écran de 4 pouces, qui a un hardware d'un 6S. Bien sûr. Comment ça date? C'est un iPhone. Oui, mais c'est vraiment un truc. Mais finalement, c'est devenu une marque presque normale. Ils ont une gamme à la Samsung, presque en fait. Il y a 910 euros entre le SE et le plus cher, le 10, c'est incroyable. 910 euros entre deux modèles chez Apple, d'écart. C'est dingue. Après, sur le graphe là qu'on voyait à l'écran, il faut voir le graphe de Samsung, hein, c'est à peu près le même. Alors, évidemment, il n'y a pas l'iPhone 10, il n'y a pas ce décrochage à la fin qui est un peu à part, mais le graphe de Samsung, c'est pareil. Hein, la gamme S. Évidemment, ça monte aussi et ça suit Apple. Et d'ailleurs, Samsung n'est peut-être pas mécontent d'ailleurs, parce que derrière, ils peuvent augmenter leur prix aussi. Bien sûr. Parmi toutes les fonctionnalités qu'on a pu voir arriver à la fois sur le 8 et sur le 10, quelles sont celles, à votre avis, qui sont le plus waouh? Alors, il y a le Face ID, bien sûr, qui est sur le 10, qui est vraiment impressionnante. Oh bah, c'est les animojis, ça c'est monstrueux. Oui. Ouais, bah, très franchement, je trouve que la reconnaissance et le suivi de visage est vraiment impressionnant. Je sais pas si vous avez vu les masques Snapchat, que la démo a été faite par Craig Federighi. Ouais. Les masques Snapchat qu'on a actuellement, c'est des pauvres trucs qui sont rajoutés sur la tête. Et on voit pas les expressions. Là, le masque colle au visage et on voit vraiment les expressions qui... En fait, c'est un haut niveau de technicité pour un truc débile. C'est des techniques de cinéma en fait. Mais c'est des premiers usages qui sont peut-être débiles, mais qui sont utilisés par des millions de personnes qui pourront être déclinés dans d'autres applications. Regardez, on va vous montrer, il y a une petite vidéo qui circule actuellement sur le web, qui est très drôle, qui est satirique, ironique, une parodie concernant ces emojis. Regardez. 10 years ago, Steve Jobs walked on stage and introduced a new product called the iPhone, marking a milestone in both technology and innovation. And to keep his spirit alive, we here at Apple are proud to announce the culmination of Steve's vision. Introducing the $1,000 emoji machine. This is what Steve would have wanted. Probably. La machine à emoji à plus de 1000 $. Très drôle cette vidéo. C'est amusant. C'est drôle. Elle est très drôle. Mais c'est vraiment une killer app pour l'iPhone, ça? Moi j'ai l'impression qu'il y a un décalage, ça intéresse. Mais attendez les amis, moi il y a un truc qui est quand même assez gênant, c'est que c'est disponible que sur l'iPhone 10. Oui. On achète l'iPhone 8 qui va coûter un petit bras quand même, hein, ou un œil, c'est au choix. Un avant-bras. On n'aura pas toutes ces fonctionnalités. Et franchement, est-ce que c'est ce qu'on appelle une gamme chez un constructeur en fait. Ouais, d'accord, mais là. C'est quand même, on est sur du prix haut de gamme pour l'iPhone. C'est plus qu'haut de gamme. C'est un téléphone au rabais. Et malgré tout, il n'a pas cette fonctionnalité qui est un peu la fonctionnalité waouh présentée par Apple cette année. Mais c'est la logique d'Apple en général. Ils présentent une nouvelle technologie sur le nouvel appareil qui est très cher. Ouais. Et les années suivantes, ils vont la décliner. Vous allez voir que l'année prochaine, le TrueDepth sera certainement sur le modèle en dessous. Après, sur leur site, ils mettent dites bienvenue au smartphone du futur. Bah, c'est vraiment le smartphone du futur. Genre, personne ne l'aura vraiment cette année. Ce sera vraiment le smartphone du futur, voilà, c'est tout. Alors pour c'est comme ça qu'il faut. Ben, non, mais il faut l'interpréter comme ça. C'est ce que ça va donner dans quelques années pour la grande majorité des utilisateurs Apple, évidemment. Donc là, on reste déjà chez Apple. Mais après, est-ce que c'est une killer app? Franchement, c'est ce qui plaît aux gens. C'est ce qui plaît aussi en ce moment. C'est pas désagréable, c'est marrant, c'est rigolo. Après, effectivement, on sauve pas des vies avec ça, mais ça fait partie aussi du truc, c'est vrai. Mais d'ailleurs, quand ils l'ont présenté, ils ont même été eux-mêmes un peu ironiques là-dessus. Ils l'ont présenté en rigolo. Puis on verra ce que les développeurs vont en faire dans leurs applications. Non, mais c'est ça. Après, l'intérêt, c'est la techno. Ça peut donner des choses et la techno Face ID, c'est vraiment une techno qui est vraiment très intéressante. Et moi, je reviens vraiment sur cette façon de
naviguer. Et là aussi, on parle un peu de laboratoire. J'ai l'impression que c'est vraiment un iPhone un peu de laboratoire. Et cette façon de naviguer sans aucun bouton principal, c'est un défi, à mon avis. Déjà, moi, je me demande, ma grand-mère, est-ce qu'elle va arriver à utiliser ce smartphone? Bon, et voilà. Et ensuite, est-ce que finalement, on parle de smartphones du futur, et est-ce que ça préfigure pas ce que seront aussi les smartphones même Android demain? C'est possible. C'est-à-dire que si Apple arrive à faire supprimer ce fameux bouton principal qui est aussi vieux que le smartphone... Qui s'est un peu virtualisé sur Android. Oui, mais sur Android, il s'est virtualisé, mais finalement, mais il reste le même. Ouais, il reste le même. Mais si vraiment on arrive à habituer les gens à naviguer uniquement avec des systèmes de swipe, avec le coin gauche, le coin droit, etc... Mais c'est vrai que c'est rigolo parce que ça ressemble à ce qu'on voit dans des films d'anticipation depuis pas mal de temps. Finalement, moi, En fait, je ne sais pas si vous faites le parallèle, mais ça ressemble surtout à la navigation de Snapchat. Mais regardez l'application Snapchat. Ouais. C'est du Snapchat. Quand on met quelqu'un qui a plus de 30 ans devant Snapchat, il comprend absolument rien parce qu'il n'y a aucun menu qui est écrit. Il n'y a rien n'est symbolisé. Tout se fait par swipe, droite, gauche, haut, bas. Et finalement, l'interface de l'iPhone 10, c'est rien d'autre qu'une sorte d'interface Snapchat qui se navigue par glissement du doigt sur l'écran. C'est assez... c'est assez symbolique. Que Apple ait inventé l'écran multitouch il y a 10 ans et en fait qu'il aura peut-être fallu 10 ans pour finalement que les gens puissent se l'approprier et en faire ce que ça devait être à la base, c'est-à-dire juste un écran multitouch exploité à fond. Alors on a plein de messages sur Twitter, plein de remarques pertinentes de notre ami Caribou qui chaque semaine nous fait des remarques pertinentes, on peut malheureusement pas toutes les relayer. Mais Caribou, vous savez que il faudrait lui filer la carte gold de 0. Ah ouais, c'est un fidèle, on le salue, en Flying Blue. Même la nuit il nous regarde quand nous on n'est pas là. Merci Caribou. Donc le chargeur à induction qui est sans doute bien, mais qui n'est pas dans la boîte, qu'il faudra acheter à part, c'est ça? C'est ça, tout comme le chargeur sans fil, le chargeur rapide d'ailleurs. Il y a un chargement rapide sur l'iPhone, mais il faut... Et on a les prix du chargeur à induction? Chargeur à induction... non, je crois pas. Mais après, par contre, il y a des chargeurs à induction qui existent déjà chez Belkin ou d'autres marques et qui sont pas forcément chers. C'est compatible avec la technologie, donc on n'est pas obligé d'acheter Pas mettre la charge rapide dans la boîte, c'est un peu dur. Quand Pas mettre la charge rapide, c'est un peu abusé. Et si on veut acheter une charge rapide, en plus, il faut non seulement le transformateur, mais aussi le câble USB-C Lightning qui va avec. Donc il y en a pour 70 euros, quelque chose comme ça. Ça, c'est vraiment... Je trouve ça très exagéré. Oui, ça, c'est petit. C'est petit ça. Mais sinon, ils étaient peut-être à 35% de marge. Alors, il fallait. Bon, l'induction, voilà, tout le monde s'excite. Moi, c'est rigolo parce que j'ai des potes qui sont pas du tout dans notre métier, etc. Ils disent, c'est génial l'induction, etc. Mais bon, il faut voir si c'est vraiment si génial que ça, parce que ça veut dire qu'il faut des points d'induction un peu partout pour que ce soit pertinent. Dans la voiture, alors il y a des voitures très haut de gamme qui ont des... Oui, bien sûr. Mais c'est des voitures hyper haut de gamme. Et surtout, l'induction. Non, mais c'est sûr. Le bon vieux câble. Et l'induction, c'est plus lent. Je sais pas si c'est très lent. C'est ça pour l'avoir utilisé sur l'appareil. C'est plus lent que quand c'est branché. Ce qui est dingue, c'est que Samsung doit se dire, mais pétard, ça fait 5 ans que j'ai de l'induction. En même temps, c'est ce que se disent tous les fabricants Android à chaque fois qu'Apple sort un smartphone. Sauf qu'Apple reprend une technologie qui fonctionne, qui est éprouvée, qui est mature, et ils en font quelque chose qui fonctionne parfaitement. Et les autres, ils prennent plus de risques. Parfois, ça fonctionne pas, et parfois, ça fonctionne. Et il faut vraiment leur rendre hommage aussi. Et là-dessus, Samsung, quand même, c'est vrai que ce qu'ils ont fait en matière d'induction et en matière d'écran, il faut aussi leur rendre hommage. Et peut-être aussi un peu avec Xiaomi en amont. Il y a Labincol qui nous dit, il paraît que l'écran AMOLED du nouvel iPhone est moins lumineux que celui du Note 8. Alors ça, on n'a pas encore... Alors, il faudrait qu'on le mesure en labo. Il a annoncé par Apple à 625 candélas par mètre carré. Et je le Note 8, c'est 540. Voilà. Donc, théoriquement, il serait supérieur. Légèrement, après, ça ne changera pas grand-chose. Voilà. Honnêtement. En tout cas, cet iPhone 10 arrive le 3 novembre, donc c'est pas tout de suite. Non, hein. Il va falloir attendre. Ils produisent, a priori, selon les rumeurs, ils en produiraient vraiment pas beaucoup. Moi, je me demande comment il va arriver. Par jour, comment il va arriver chez les opérateurs. C'est pas beaucoup. Très peu. 10 000 par jour, c'est 300 000 par mois. S'il continue à ce rythme, il y aura une pénurie. Donc là, il faut qu'il fasse des stocks, en fait. C'est pour ça qu'il est en retard, en fait. C'est tricoté à la main. Mais je me demande comment on les verra chez les opérateurs. D'ailleurs, on ne peut même pas le précommander actuellement. Ah non, c'est le... La précommande est ouverte fin octobre. 27 octobre. Précommande. Une semaine avant, donc voilà, ça va être un peu tendu. Après, il y a la question de savoir s'il faut passer à l'iPhone 10, c'est-à-dire que les gens qui vont vouloir acheter un iPhone là, fin de l'année, etc., soit un renouvellement, soit un premier achat, soit des switchers, je ne sais pas. Qu'est-ce qui va les décider à basculer sur l'iPhone 10, donc l'iPhone hors de prix, plutôt que les moyens, le salaire. Je pense que c'est surtout ça. Oui, mais pas seulement. Une différence de 500 euros entre le évidemment, les gens très riches qui se posent pas la question, les gens pauvres qui vont pas se la poser non plus. Voilà. Et puis entre les deux, il y a les gens raisonnables qui ont peut-être
peut-être les moyens, mais à condition si on est, je pense que si on est un peu fan de technologie et qu'on a envie d'avoir les dernières choses qui existent sur le marché, oui, on va craquer parce qu'il est joli, parce que il y a des choses un petit peu nouvelles. Oui, mais qu'est-ce l'appareil photo est meilleur que sur le 7 Plus, par exemple. On est raisonnable. Est-ce qu'on peut pas se contenter de Si on est raisonnable, j'achète un Wiko. Enfin, non. Franchement, c'est pas ce que je voulais dire. Les Wiko sont très bien. Tout à fait. Mais si on est raisonnable, on achète un Wiko. Non, si on est raisonnable, 5329, on va au Wiko, les amis. Moi, je trouve l'iPhone 7, il y a une baisse de prix. Oui, tout à fait. L'iPhone 7 est très intéressant finalement, puisque l'iPhone 8 c'est quasiment le même que l'iPhone 7. Il a la stabilisation optique, hein, l'iPhone 8. Hein, oui, sur le capteur modèle, principal, oui, c'est vrai. Mais enfin bon, l'iPhone 8 a priori c'est un iPhone 7 avec des traces de doigts, quoi, avec le revers, ça change. Non, mais c'est vrai. Et il est très joli, l'induction. Non, mais il est. Voilà. Moi, je me demande si finalement l'iPhone 7 c'est pas un très bon achat en ce moment. Parce qu'il va rester. Il est moins cher, il est à 600 et quelques. Pas le 7 Plus. Alors moi personnellement j'aime beaucoup le 7 ou le 7 Plus. Ce que je veux dire c'est que finalement ils ont baissé. Pardon, mais entre les deux, moi je vous conseille quand même fortement le Plus. Pourquoi ? Pour la photo. À cause de la photo. Ah, le mode portrait. Le mode portrait, c'est qui là-dessus. On parlera aussi d'une autre suite, mais alors le mode portrait de l'iPhone 7 Plus, il est super. Non, mais c'est vrai qu'Apple là-dessus, on parlait d'innovation. Apple, ils sont en train de changer le marché parce que vous avez tous les fabricants d'Android, à l'exception d'LG notamment, qui a pris une stratégie un peu différente, qui vous sortent un mode portrait. Et là aussi, Apple, on critique beaucoup le manque d'innovation d'Apple. Le mode portrait, c'est Apple, et c'est Apple qui a eu l'idée de mettre un téléobjectif dans la. Oui, enfin l'effet bokeh, c'est Huawei. L'effet bokeh, mais moi, je parle vraiment du téléobjectif avec. Avec la focale, oui, c'est un effet bokeh. Bien moins bon que celui d'Apple quand on a deux focales, c'est vraiment. Le mode portrait, et à mon avis, le portrait lighting, ça va être très sympa aussi. Oui, donc la même chose, mais en selfie. Mais le portrait avec la clé où on peut retoucher la lumière, etc. À mon avis, ce que fait Apple en matière de portrait, c'est quand même inégalé. Ça, c'est inégalé. Voilà. Si on veut parler d'une killer app, c'est plutôt ça. Apple attend sa revanche, hein, parce que c'est ce qu'on disait pendant la keynote. Hein. Apple n'est plus le meilleur fabricant de smartphone avec le meilleur appareil photo. Hein. Non. Franchement, il y a des concurrents très sérieux. Après, il y a plusieurs critères sur la photo. C'est la photo, la qualité pure et dure. Et puis après, il y a tout le côté logiciel. Sur ça, Apple est très bon. C'est réactif. L'interface est claire. Et puis après, il y a d'autres constructeurs comme HTC avec le U11. Actuellement, c'est clairement le meilleur en qualité pure, c'est le HTC U11. Il est incroyable. En revanche, quand on voit l'interface, c'est pas forcément très clair. Et puis, c'est moins réactif que Samsung, par exemple. Quand on déclenche autofocus, Samsung, c'est incroyable. C'est tac, tac, la photo est instantanée. HTC, il fait un peu l'autofocus, il a du mal. Il faut appuyer sur les bords pour modifier un truc qui est. Alors, ça sert à rien, mais par contre, le téléphone est bien. La fonction n'a aucun intérêt, mais le téléphone est bien, et en photo on peut la désactiver, la fonction, ou pas? Mais ils auraient peut-être pas dû communiquer là-dessus, alors qu'en photo il est exceptionnel. Non, mais vraiment, c'est impressionnant, c'est impressionnant en photo. La question orange. Allez, la question orange. Alors tout à l'heure on était à 75-25, hein, les amis. C'est juste pour vous dire, on va voir si ça évolue. Est-ce que ça bouge? Notre question 01net orange sur le prix de cet iPhone 10 selon vous. Et bien voilà, on est toujours 75% de scandaleux, de scandalisé, de justifié. Voilà, 1329 € pour l'iPhone X. Et pourtant, il va se vendre. Quand même. Quand on lit le chiffre comme ça, 1329, moi tout de suite, c'est le plus cher. C'est un super PC portable. C'est un MacBook. Oui, mais alors attends. Quasiment, c'est un MacBook. C'est un MacBook. Mais revenons à. Combien ça coûte un MacBook aujourd'hui? Par là. Le MacBook 12, il est à 1200, quelque chose comme ça, je crois. C'est vraiment le prix, c'est vraiment l'entrée de gamme. Voilà, hein. Voilà. C'est vraiment l'entrée de gamme. Alors tu me touchais la main. Oui, je te touchais la main pour dire quoi. Il faut remettre ça dans le contexte. Le marché du PC est en chute libre, de l'ordinateur est en chute libre. On achète moins d'ordinateurs, c'est moins indispensable dans un foyer, à la maison, etc. La tablette, n'en parlons pas. Tous les gens qui ont des tablettes n'ont pas du tout envie d'en acheter une. Ils la gardent 5 ans, 6 ans. Ils la gardent 30 ans s'il faut. Donc le smartphone, et en revanche, à l'inverse, regardez tout ce qu'on fait avec le smartphone. Aujourd'hui, c'est devenu l'outil principal, l'informatique, on vient d'en parler. Dans la vie, ça a tout balayé au niveau, ça a balayé les appareils photo, c'est l'outil principal, le loisir, la communication, la vidéo, etc. Donc rapporter les 1500 € à l'heure de travail. Après, il faut voir par rapport à la concurrence. Et c'est vrai qu'on peut faire tout ce que propose l'iPhone 10, on peut le faire de façon aussi qualitative. Si je prends aller à partir du OnePlus 5 qui coûte 500 euros, qui coûte quasiment un tiers si on prend le plus cher. Donc,
Voilà, mais c'est effectivement ce que. Je pense que la photo. Non, mais de toute façon, même... je pense que l'iPhone 10, il faut le prendre comme un produit à part. Oui, dans tous sûr. Les cas, il faut le prendre comme un produit à part. C'est un produit d'exception. C'est, c'est le futur de l'iPhone. C'est le futur de la téléphonie mobile. C'est Tim Cook qui l'a dit, les amis. Donc, quand vous aurez l'iPhone 10, vous aurez le futur entre vos mains. Mais vous n'aurez plus d'argent. Mais vous n'aurez plus d'argent. Ah ben là, vous mangerez le, vous mangerez les futurs pâtes. Les pâtes du passé qui sont périmées. Quand vous aurez remboursé votre crédit sur 112 ans pour. C'est ça, en fait. Exactement. C'est bon, écoutez, on a fait le tour. Mais on voit que c'est pas aussi... Alors, évidemment, 75-25, c'est violent. Mais on a pas mal de commentaires d'auditeurs qui disent « Ce prix de 1 329 € est justifié. C'est un Apple, effectivement. Ça a toujours été très haut de gamme. Ouais. On voit que leur gamme est assez cohérente, etc. » Donc, on voit qu'il y a malgré tout des gens qui sont prêts. Et vous allez voir qu'on va arriver à une pénurie d'iPhone 10, ça c'est clair. Ah bah oui, à Noël, tout le monde s'arrachera l'iPhone 10. Il y en aura tellement peu. Il y aura plein de gens. Parce qu'il faut, pas oublier que les opérateurs vont, à mon avis... fortement promouvoir cet iPhone 10, sans doute aussi le comment dirais-je subventionner de manière assez intéressante. Ouais, ça faut voir combien il sort. Voilà. Il y aura certainement des offres groupées, j'imagine, avec l'Apple Watch qui est 4G Watch maintenant, aussi, avec des forfaits spéciaux. Donc il y aura des choses à faire, je pense, commercialement. On va voir ce qui va se passer, mais. Ça va être chaud cette fin d'année. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'iPhone 10 et un petit peu sur les iPhone 8 et puis un tout petit peu sur le Galaxy Note 8. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé beaucoup alors qu'il sort demain. C'est un peu ça l'événement également. Mais on y reviendra parce que rapidement. Évidemment, c'est un magnifique téléphone. Hein, et on en reparlera très vite. Le test arrive bientôt. Dans les prochaines heures. Dans les prochaines heures. Et évidemment, voilà. Là, on en parlera forcément très rapidement. Merci messieurs. Merci. Jean-Sébastien, Raphaël. Merci à Noémie qui a préparé l'émission. Oui. Et à Pierre ainsi que Jean, bien sûr, comme d'habitude. Voilà, et puis parmi tous les petits messages qu'on a eus sur YouTube, je tiens à saluer Ranjit Gopal qui nous a envoyé tout à l'heure un petit message en disant « Je vous regarde l'île Maurice ». Et cool. Ça, c'est pas gentil de nous faire ça parce qu'à Paris en ce moment, il fait 10 degrés. Voilà. Allez, on va se dire au revoir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi prochain pour 01 Live et puis bien sûr tout au long de la semaine sur 01 TV pour toutes les vidéos. Et puis dernière chose, n'hésitez pas à regarder toutes les dernières vidéos concernant les iPhones qui ont été présentés. Et puis, chose importante, nous vous offrons un iPhone 10 sur 01net.com. Il suffit d'aller sur la page du concours. Vous allez sur 01net.com, vous allez voir, il y a un dossier iPhone et vous avez la possibilité, en laissant vos coordonnées, en répondant à une question très simple, de remporter cet iPhone 10. Pas mal. C'est pas mal quand même. Hein. Salut François. Bonne chance. Salut à tous. À très vite.